Ah, Mimi de Mandaril. Hello, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo, et même une série de vidéos que je vous prépare depuis quelques jours. En vrai, j'ai eu l'idée il n'y a pas si longtemps que ça. Et je suis trop contente, bah, du coup vous l'aurez vu dans le titre. Mais on va jouer à Little Nightmare. C'est un jeu que j'adore, que j'ai depuis une éternité, et je l'ai jamais fini parce que mon cœur battait trop vite. Et pourtant c'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup, mais en fait j'ai toujours eu envie de m'y remettre à fond parce que je veux le terminer. J'aime trop ce jeu que pour ne pas le terminer, et je me suis dit pourquoi pas faire une série de, à mon avis, 4 vidéos du coup jusqu'à Halloween. Comme ça met dans l'ambiance pour le mois d'octobre. Je suis trop contente. C'est la première fois que je fais un peu un concept avec une série de vidéos dans ce genre-là. J'espère que ça vous plaira. J'ai déjà joué les premiers chapitres du jeu, mais ça fait tellement longtemps que je pense que je m'en rappelle même pas. Il y a des détails desquels je me rappelle sûrement, mais rien que l'ambiance va me mettre, et va vous mettre, j'espère aussi, dans une ambiance ultra glauque. Du coup, petit disclaimer aussi, c'est pas un jeu pour les enfants. Je sais pas à partir de quel âge le jeu est conseillé, je le mettrai au montage, mais en tout cas, c'est pas un jeu pour les personnes sensibles, même les adultes qui regardent et qui sont un peu frileux, qui sont vite impressionnés, c'est pas pour vous. Mais en tout cas, moi, j'ai envie de m'infliger ça. Et je suppose que si vous êtes encore là, c'est que vous aussi. Du coup, on est parti. J'espère qu'au niveau de la lumière, ça ira. J'ai essayé de mettre le plus d'éclairage que je pouvais. Et parce que du coup, je joue. Et il fait nuit. Parce que jouer à Little Nightmare à 10h du matin, c'est pas trop un mood. Du coup, on va faire une nouvelle partie. Je pense que le figure, c'est le DLC. Si je dis pas de bêtises. Allez, c'est parti. J'ai déjà trop peur. Ok. Bon, il faut que je me rappelle des touches et tout. Bon. Je sais qu'il y a des genres de bougies qu'on peut allumer aussi pour débloquer des succès. Par contre, je sais pas si... Ouais, ça. Je pense que notre briquet, il se consume pas. Si on l'utilise trop. Moi, je me rappelle quand je jouais à ça, du coup, c'était il y a plus d'un an. Les bruits sont trop forts. Comment je passe? Ah. Bon, du coup, je me rappelle, je jouais ça il y a plus d'un an. Et en fait, j'avais du Joy-Con Drift, mais à fond. Et donc, c'était impossible de jouer parce que la caméra, elle bougeait comme ça, dans tous les sens. C'était injouable. Le jeu est magnifique. Regardez ces plans. C'est juste trop beau. J'ai déjà tellement peur, c'est horrible. J'ai l'impression que j'explore pas assez, mais pour l'instant je pense que c'est le tuto, donc... Oh mon dieu. J'ai cru qu'il allait regarder.
Et elle fait tellement bruit. C'est du goudron à terre. On est censé faire ça? Ah. J'ai trop peur. Oh putain. J'allais dire, j'ai trop peur que le gars qu'on a vu tout à l'heure là, il repasse derrière. Mais. Ah oui, il y a des trucs là au-dessus. Non. Je sais pas si j'ai raté des trucs ou pas, j'ai l'impression que je vais trop vite. Ok. Donc on doit faire quoi? Passer par là? Je viens de me rendre compte que je n'osais même pas présenter le jeu. Je sais pas si c'est le bon moment pour faire ça. Mais du coup, enfin, vous l'aurez sûrement deviné. C'est un genre de jeu d'exploration. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Du coup, je vais en profiter que je suis morte pour vous présenter le jeu. C'est pas plus mal après un quart d'heure de tournage. En gros, c'est un jeu d'exploration, d'horreur. C'est tout. Il y a une histoire, mais je veux dire, là, au point où on en est, on connaît pas l'histoire. C'est juste. On incarne cette petite-là. Mais est-ce qu'il cherche la lumière en fait? Je crois qu'ils arrivent beaucoup plus vite si on allume le briquet. Moi je m'étais dit que ça allait pouvoir les cramer, mais je les vois pas assez bien dans le noir, ce qui est logique. Et je suis déjà dans un état de stress monstrueux. Ce serait trop drôle que j'ai un truc pour calculer mes BPM. Sprint! J'ai eu peur de la lampe. C'est honteux. Ok, bro. Je sais pas si on sait voir sa tête. Et même sa tête, elle est creepy. Et la vérité, il n'y a pas plus bruyant. Non. Ah. Oui. On en est là. Bon, du coup, je pense qu'il faut que je sprint. Y. Ah oui. Non, c'est une blague. Waouh. Je sursaute pour rien. C'est quoi ce bruit?
Je sais pas si c'est nous qui sommes minuscules ou si c'est les autres qui sont gigantesques. Il y a un méchant là-bas. Ah non. Ah. Je n'avais point vu ça. Ok. Mais on va revoir de la lumière ou pas? Ah, il y avait une petite trappe. Ça se trouve, j'étais pas du tout censée. Bah, si, c'est logique. Bon, je sais pas. Oh, il y a un petit chouchou. Oui, je peux passer là. Bon, ça servira un peu à rien. Mais... Ah, si! Il doit y en avoir un deuxième. Ça doit être pour ça que le truc reste éteint aussi longtemps. Ben on va courir. Je suis pas sûre d'être prête, mais let's go. On court. Allez, passe. Waouh, dans le noir comme ça, c'est tellement stressant. On est bon ? Ok. Je sens qu'il va y avoir quelque chose derrière les portes. Ou je vais devoir passer derrière une porte. Je suis tellement concentrée. Trop tard. J'ai été bloquée. Il va falloir courir sa mère. Il me voit pas si je me mets là, si. Mais je comprends pas où on est. Enfin, le titre du chapitre, c'est la prison, donc je suppose qu'on est dans une prison. Mais je comprends pas ce qu'on fait là, ni rien. Oula. Sympa, la chambre. Non? Oula, oula, oula. Il doit y avoir un truc, là. Les battements de cœur. Il va tant. Va tant et ne reviens jamais. Je dois aller où? C'est des enfants? Ils entendent respirer. C'est affreux. Mais du coup, je devrais être là aussi. C'était peut-être ça le fugueur. En fait, ça se trouve, c'était un enfant qui était là. Enfin, le fugueur, à mon avis, ça doit être dans le DLC. Oh, leur respiration, ça me.
ça me met trop mal. Je trouve ça trop triste. Je sais pas si j'ai plus peur quand il y a du bruit ou quand il y en a pas. Parce que le silence comme ça, c'est... Qu'est-ce que t'as ? Avance ! Oula ! Mais elle doit mourir de faim. Enfin non, elle meurt pas quand même. Elle sait plus courir. C'est des enfants ? C'est un enfant. Donne-moi ta bouffe, s'il te plaît. Mais allez, mais mange. Ben, merci. Il doit sûrement y avoir encore un interrupteur. Et je serre les dents depuis tout à l'heure. Il n'y a pas à craquer comme ça, wesh. Mais je me demande si toutes les bougies, en fait, c'est pas des bougies que j'ai déjà allumées dans ma première partie. Parce qu'il me semblait qu'il y avait beaucoup plus de bougies à allumer et là, elles le sont déjà toutes. Du coup, je pense que c'est ça. Je sais pas si je suis censée faire ça, mais... Ok. Mais il y a une échelle là-bas. Ah non. Enfin si, il y en a une, mais... Elle mène à rien. Non ! Bon. Qu'est-ce que c'est que celui-là ? Ok. Du coup là je vais devoir sprinter. Non. À cause de Animal Crossing, j'appuie tout le temps sur B pour courir. Sauf que c'est Y. Super. Maintenant, Y, B. Let's go. J'ai trop peur. Mais je pense pas que je veuille passer là. Enfin, je vais aller voir pour voir, parce qu'à mon avis, il n'y a pas de compteur. Je dois pousser ça. Je vais vraiment devoir me pendre à ça, là. Bon. Oh non, pas ces trucs là. Ah oui, mais là on est revenu là où on était déjà.
Il va pouvoir passer la porte. Voilà. J'ai trop envie de grimper partout, mais... Oh non. Ce truc, il m'angoisse à ce fuck. Non, je dois me cacher. Avance. Non. Mais... Parfois, elle se bloque. Ok. Trop mignon comment elle... Saute, saute. Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de dire, c'est trop mignon comment elle saute. Mais... Ah, elle reste bloquée des fois. Je veux qu'elle bouge ou je veux qu'elle saute et elle bouge pas. J'ai l'impression qu'elle s'accroche au meuble à côté et tout. Ah non, je dois repasser l'œil. Non! Oula. En fait, là, faut pas que je mette trop près. Parce que sinon, elle s'accroche dedans. Ok, donc là, faut sprinter. Fini. Ok, du coup, on a fini le chapitre 1 qui s'appelait la prison, il me semble. Enfin, de ce que j'ai vu, le premier chapitre c'était la prison. Je vais enregistrer le chapitre 2 maintenant, tant que j'y suis, parce que je trouve que j'ai pas eu assez pour ma soirée. Du coup, dans la vidéo de la semaine prochaine, je serai sûrement habillée pareil, le cadrage sera pareil, ne vous étonnez pas. J'espère que ça vous a plu, j'espère que le concept de la petite série horrifique pour Halloween vous plaît aussi. De toute façon, ce sera comme ça jusqu'au 31 octobre. La dernière partie sortira le jour même d'Halloween. Comme ça, si jamais vous avez rien prévu de spécial avec vos potes ou quoi, vous passerez votre soirée avec moi. Et d'ailleurs, vous l'aurez vu pour cette vidéo aussi, les vidéos pour ce mois d'octobre sortiront le soir pour un peu plus d'ambiance flippante, tout ça. Parce que pareil, regarder une vidéo Little Nightmare à 10h du matin, ça n'a pas trop de sens. Du coup, je vous dis à la semaine prochaine pour la suite du jeu. Et en attendant, bye !